Dieu est plus forte que les hommes. Vous allez directement comprendre une chose ici. Que la croix, c'est un grand message caché. Est-ce que vous entendez ça? La croix. La croix où Jésus est passé. C'est un mystère. Un grand message. La voie par où est passé le salut des hommes. Si le salut des hommes n'est pas passé par la croix, la résurrection ne servira à rien. Les choses ont commencé d'abord par la croix et ont chuté par la résurrection et ont tiré la conclusion par l'ascension de Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela que je vais essayer d'aller de façon beaucoup plus claire pour que tu comprennes la croix. Mais ce message, vous allez l'entendre comme moi. Que ce n'est pas donné à tout le monde. D'avoir la véritable révélation sur le message que nous apporte la croix de Jésus. Beaucoup la portent. La porte, comme des chaînettes. Devant les églises. Et même sur le stade. D'autres l'ont placé là. Comme c'est mort. Mais la question est la suivante. Est-ce que chacun de chrétiens comprend ce que c'est la croix? Est-ce que mon Christ moko a yébu ni ezali ekulusu? C'est un message. Ezali sango. C'est un mystère. Ezali mokombano caché. Oye mokombami dans les écrits des prophètes. Oye ekumi bamsako. Si dans les prophètes, par exemple chez le prophète Esaïe, il a parlé de la naissance de Jésus qui devait se produire au travers d'une jeune fille vierge. Si cette parole a eu lieu, c'est que toute la prophétie d'Esaïe devait s'accomplir dans les moindres détails. Est-ce que vous comprenez cela? Esaïe a dit, une vierge sera enceinte, mais dans son état de virginité. Elle ne connaîtra pas d'homme avant d'être enceinte. Elle sera enceinte sans avoir connu d'homme. Retenez ceci. Les Juifs qui sont les Hébreux et qui avaient reçu les promesses de Dieu et qui avaient les commandements de Dieu, dans aucun commandement le Seigneur n'avait prévu aucun châtiment qui répondait à la croix. Le châtiment des pécheurs, son sort final, Dieu avait réservé ça à la lapidation. Le pécheur, on doit le lapider. Si on doit tuer le pécheur, on doit le lapider. Et cela était en Israël. Aucun juif, aucun juif ne devait être tué d'une
autre façon. Sinon que par lapidation. Au point que le Seigneur a dit ceci. Pour signaler quelque chose. Il a dit, maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Ma bande, elle a qu'il a ma mère. Montre-moi, va tirer la écoulouse sur le juif. Ayuda. Ne devait pas voir. Ayuda, il commande à terre. Un juif. Ayuda, mon corps. Pendu au bois. À terre, il commande à terre. Parce que c'était interdit. Quoi qu'il est acquis, mon père te fait quitter. Quand on pend quelqu'un au bois, ce qui va vivre, on va tirer la colonne à terre. C'est là qu'on envisage une malédiction. Surtout sur les lieux. Obligatoirement, les gens devaient quitter le lieu là. C'était un village. Ils devaient quitter ce village. Donc la crucifixion n'était pas autorisée. Ce qui était autorisé, c'était la lapidation. Mais en Israël, il n'y avait pas que des juifs. Qui était là pour obéir à la loi, pour l'observer, pour la contrôler la yande, pour garder les commandements, pour la combattre la vie. Il y avait en Israël, les Romains, à Rome, ils étaient les occupants. En quelque sorte, ils étaient les colonisateurs. Amen. Amen. Et quand ils étaient là, les Juifs étaient soumis à eux. Ils étaient soumis à l'autorité juive. L'autorité romaine. Les Romains ayant pris la place en Israël, ils ont rapporté aussi leurs coutumes. Les coutumes de faire les choses. Ce sont donc les Romains qui ont amené en Israël la punition d'un pécheur par crucifixion et non par lapidation. Donc chaque fois qu'il lapidait une personne devant l'autorité romaine, alors c'était grave. Parce que le sort réservé par des Romains, les dominateurs, c'était la crucifixion. Donc il y a eu opposition. Mais les Romains étaient les bourreaux et les plus forts. Ils ont imposé leur façon de faire. Comme Dieu avait dit que on ne doit pas crucifier un juif. Mais Israël, que le prophète Esaïe donne une prophétie concernant le Messie et comment va se dérouler sa mort. Il parle de la crucifixion du Messie au milieu des débridants. Est-ce que vous comprenez ça? Esaïe va prophétiser. Esaïe était un excellent prophète. Il n'était pas ce prophète qui fait des ramassis. Ce sont donc prophéties qui sont l'occasion d'une imagination. Non. Ça y est, un parfait prophète. Il devait prophétiser avec la puissance du Saint-Esprit pour ramener le peuple de Dieu à aller découvrir la volonté parfaite de Dieu. Volonté de Dieu de révéler les choses cachées. Esaïe, en tant que prophète, il révèle quelque chose qui n'était pas prévu dans la loi.
C'est dans Ésaïe 53. Le Seigneur va commencer à nous présenter une image réelle de la crucifixion de Jésus-Christ. Fils de Dieu, fils de David. Alors, le prophète a dit cela. C'était le même prophète. Il avait dit que la Vierge sera enceinte. Et on portera un fils. Ce fils sera à la fois fils et père. C'est-à-dire Dieu. Et Dieu avec nous. Amen. Amen. Et jusqu'à ce qu'on attendait. Parce que Dieu, dans sa place de Dieu, dans sa grandeur de prophète, il a dit, alors, qu'une prophétie doit être annoncée d'avance avant que l'événement n'ait lieu. Elle était encore petite.
la nature. Alors que le jour et l'heure de la mort d'un homme n'est connu que par Dieu. Posez-vous la question. Vous avez le temps de dire le mensonge. Et pourtant, le signe de la présence de Dieu ici est manifesté. Jésus est né. Et quand Jésus vient, il commence avec son enseignement troublant. Il épate les hommes par son enseignement et par l'accomplissement détaillé de toute la prophétie. La Bible nous dit, il a pris nos douleurs, nos maladies. C'est pour cela qu'il manifesta en son temps des guérisons spectaculaires. Parce que quand tu guérissais, puisque la maladie est une combinaison du péché, quand tu guérissais, il pardonnait au même temps. Qu'est-ce que les gens disaient? Il blasphème. Parce qu'il a annoncé le pardon des péchés. Alors Jésus lui a donné maintenant une preuve tangible. Et disait maintenant au paradis, à qui l'on a annoncé le pardon des péchés? Il dit, lève-toi. Sans que l'animal ne soit tué,
simplement que je suis la victime qui doit mourir et qui va devenir une nourriture. Et vous allez prendre mon sang, vous allez le boire. Ah, la présence du sang signifie la vie s'est répandue ici. Interdit.
spécialiste, il n'y a pas de démission. Comment la voir? Mais ils se sont trouvés en difficulté.
crucifié. Il a compris l'éternité pour qu'elle soit passée. Il était reparti chez lui. Pour attendre que pas il était pour attendre les choses. Alors qu'il souffre pas les choses. On l'a rappelé. N'a pas demandé qui est les choses. Comment ça? L'homme que je vais saluer. Mon temps, on a compris ça, mon. Et que je vais donner un baiser. On a compris ça, et point, point. Allez, c'est lui. Et ça lui y est. Attrapez-le. Aussi baillé. Amen. Amen. Ne pense pas que c'est lui qui te salue, il est d'accord avec toi. Vous ne pensez pas que mon enfant fait sa propre vie à l'Ugadayon. Amen. Il y a beaucoup de sa hypocrisie. Et ça, il y a mon enfant qui m'a dit, mon enfant qui m'a fait, il y a ton tueur d'ailleurs. Ma paix, ça fait que l'on a fait sa propre vie à l'Ugadayon. C'est quand même la paix. Mais le cœur est long. On t'a demandé, ça dit, au Chita. Judas est allé faire le signe. Judas est à quel moment il est mort? Embrassant Jésus. On a compris ce peuple là, Jésus. Jésus. Jésus est un grand prophète. Avant mon sacré moment. Il connaissait les pensées du cœur. Il ne laissa pas Judas faire sa manipulation. Constant et aller se glorifier. Jésus lui rappelle. Par un baiser que tu trahis le fils de l'homme. Et Zali Nanzela, il y a un peu près. On s'est dit qu'on t'a moi dans la moto. Tu as pensé que non, quand tu vas embrasser Jésus, je te dis, oh, voilà l'un des apôtres qui m'aime. Jésus, le grand miséricordieux des miséricordieux. C'est grâce à Jésus. Ce qui n'a pas mal dit mon ami, c'est d'abord à Jésus. Voilà la preuve qu'il vient de me donner. Il a guéri l'oreille d'une personne. Et des fois où tu comprends ça, avec qui c'est l'histoire à moto. On va casser mon papa. Alors que l'oreille était jetée par terre. Chaque chrétien a besoin d'être un miracle. Mais il a suffit de la qui n'a pas quand même. Et finalement, on a pris Jésus. Et on l'a amené. Amen. Pourquoi on l'a amené à l'abattoir? Bon, on a dit qu'il va me le sika va pour ma cabane. Parce que Jean avait dit que Jésus était un agneau. Que même qu'on amène un agneau à l'abattoir, le corps va quand même empâter. C'est ce qui va être accompli. Et c'est rien qui nous va aller puissant. Suivez bien, un point est déjà fait. Il t'a montré que c'est la parole déjà prophétisée est accomplie. Il le va et sa colamaki est coquissant. Et on le châtie. On le frappe 40 coups moins 1. Et on le fait porter de la couronne. Tous ces événements étaient déjà prophétisés. La couronne sur la tête de Jésus était une prophétie dans Esaïe. Vous allez continuer à lire Esaïe 53. Et le fait que Jésus a été crucifié sur la croix, deux brigands, et l'autre de l'autre. Jésus était au milieu de eux. Ça a été prophétisé. Toujours dans Esaïe 53. Et on m'a mis au milieu des brigands.
Ça a été prophétisé. Jusqu'à ce que sur la croix, où Jésus a été crucifié, il va parler seulement cette fois. Je viens. Alors que nous, si on t'amène pour aller te tuer, la personne va parler. Oui. Mais Jésus sur la croix va pour la première fois ouvrir la bouche. Il va dire, première fois, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par là, Jésus indique la raison de sa mort. Sa mort sur la croix était la bénédiction et le bénéfice pour l'humanité. Sa mort sur la croix n'était pas la raison de maudire l'humanité. Si tu es pardonné de tes péchés, automatiquement, il y a une joie au ciel. Et ton nom sera écrit dans les livres de Dieu. Et désormais, tu deviens citoyen céleste. C'est pour cela. La deuxième. Jésus avait transformé ses disciples
élevé jusqu'à ce qu'ils sont devenus des amis. Avant, ils étaient des disciples, des apprentis. Ils n'étaient plus mes serviteurs. Yes, mes amis. Et plus tard, moi, désormais les disciples de Jésus étaient devenus parentés à Jésus. Ils avaient maintenant un commandement de s'aimer à tout prix. Dieu avance. Ma sœur est avec toi.
Jésus dit, j'ai soif.
ça. Il voulait simplement dire, créature, j'ai besoin de vous. C'est une erreur que vous faites. De me crucifier. Moi, le Seigneur de votre vie. Donc la soif là, il n'avait pas soif d'eau ni du vin. Il avait soif de l'amour en retour. Malgré que la croix était son châtiment, à notre place, mais au moins, il n'a pas perdu l'amour pour les hommes. Donc ce mot j'ai soif veut dire j'ai besoin de vous. Sixième parole. Parce que cinquième parole, c'est j'ai soif. Amen. Amen. Sixième parole. Écrivez, c'est fini. Sixième parole, il écria, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Tout ce que la loi avait prévu. Que un homme juste mourra pour les injustes. Alléluia. Et la septième parole, comprenez ce que je vais dire. L'homme a une âme. Jésus avait l'esprit. Parce qu'il ne devait pas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on dit que les cas. Septième parole. Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'a pas remis l'âme comme nous le disons. Jésus a remis son esprit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et à l'instant même, Jésus mourut sur la croix. Écoutez bien. Je vais le décrire encore quelques détails. Pendant qu'on pendait Jésus à la croix, la majorité des disciples sont retournés. Parce que sur le chemin de la croix, c'était une grande foule, vous pouvez lire ça. C'était une grande foule qui suivait. Ils sont arrivés au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Ils ont crucifié Jésus. Et la grande foule, d'autres montent déjà dans les bus. Il y a toujours un groupe fidèle. Découvre-toi si tu es fidèle. Ne sois pas maniable. Ne sois pas manipulé. Respecte ton devoir d'homme. N'accepte pas que quelqu'un t'utilise. Reste devant Jésus. La Bible dit quoi?
de Jacques. Maman à Jacques. L'autre est Marie. Marie Moussous. Mère de Jacques. Maman à Jacques. L'un des apôtres. Père Thomas. Salomé. Salomé. Elle s'était restée seule. Était-tu parmi ses disciples? Je l'étais. Et en secret.